Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 9ème épisode de mon Let's Play sur la saison 2 de Mountain Blade Warband, voilà. Non, j'ai réussi à le dire. Alors, la dernière fois j'avais collecté les impôts, d'ailleurs il faut juste que je demande la quête de la ville. On va voir qu'est-ce qu'il nous demande. S'il nous demande un truc pas trop compliqué qui est dans le coin, ça peut être cool. En plus, ils ont pas été très contents. Étant donné que je les ai un petit peu imposés à mort et un petit peu maté une révolte. À Charis en 7 jours. Ok, d'accord. Faut que j'aille à Charis en 7 jours. Juste. Alors. Château d'Ibdeles. Je vais juste demander au roi. Il faut que j'aille à... Voilà. Ok, c'est bon. Il n'a pas de tâche à me confier, c'est pas très grave. Il faut que j'aille à... Quoi? Chariz. C'est là. Bon. Il faut qu'on fasse des quêtes, hein. Ça c'est clair et net. Il y a des quêtes à faire pour augmenter la renommée. On est à combien en renommée? 51. Donc il faut l'augmenter. Je pense qu'il faut viser un truc genre 100. Et ça sera pas mal. Du coup, je pense que je vais couper la séquence. Vu que là, c'est du voyage et c'est un peu chiant. Et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, je suis revenu. Bah voilà, je suis dans la taverne de Sariz. Et voilà, j'ai donné les 100 unités pierres. Ça m'a donné 400 points d'expérience, 100 deniers. Et je pense qu'il faudrait qu'on trouve le maître de guilde ici. Alors par contre, je connais pas ces villes. Donc où est le maître de guilde? Et l'armurier. Peut-être plus là-haut. T'es qui toi? T'es geôlier. Il y a le garde du château. C'est pas là, il semblerait. Où est-ce qu'il pourrait bien être? Pas là. C'est pas simple. Est-ce que ici... Non, là, c'est... une fausse sortie. Tiens! C'est nul, ils sont immortels, les gens. Et pourtant, je fais des gros high kicks là. Alors, il y a le vendeur de chevaux. Et des troupiers. Ah bah il est là. Une caravane à Nara en 15 jours. C'est où Nara? Nara c'est là. Bon bah ça va. Et ben c'est parti. Ok, bon bah je recoupe la séquence et je vous retrouve une fois que j'ai escorté la caravane. Allez, à tout de suite. Et ben ça y est, j'y suis. On y est presque, en tout cas on y est. Voilà. Ça y est. Donc renommée, je sais à combien renommée. 53. Alors, on va voir s'ils n'ont pas des quêtes pour moi. Alors ça va, je suis en canasson. Maître de guilde, où es-tu? Donc là-bas, il y a la vendeuse de chevaux. Là, c'est un armurier. Là, c'est quoi? Cavalier. Et Joel.
Alors. Non, ça a pas l'air d'être là. Je connais pas, c'est horrible. Les B. Voilà, il y a le fabricant d'armes. On va le faire correctement. C'est pas eux là-haut? Pousse-toi. Si. Une caravane qui doit aller à Wersheg en 15 jours. Bon bah allons-y. Hein. Encore une caravane. Wersheg, je crois que c'est Royaume des Nords, non? Ouais, c'est pas la porte à côté. Bon ben. C'est parti. Alors attendez. C'est parti, direction Wersheg et je vous coupe la séquence. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, j'y arrive. Bon, au moins, on peut dire que ça me fait voir du pays. Ah là là, c'était assez long. Le royaume du nord, venant de Swadia, a déclaré la guerre au Rodok. Donc, c'est-à-dire que je suis en guerre contre les Oranges. Voilà. 233 deniers, sachant que j'en ai perdu pas mal. Oh, un tournoi. Tournoi. Allez, tournoi. Allez, se battre au tour sûr. Ça, par contre, c'est genre le truc pas sympa du tout pour les mecs. Ah, il n'y a plus qu'à 2 contre 1, c'est bon. T'es fichu. Ah. Bon, ok. On va parier sur moi-même. Oh, 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 oh. Il faut éviter d'aller dans l'autre mêlée. Pas tout de suite en tout cas. Voilà. Vous finissez? Voilà. J'aime pas les grosses mêlées avec plein de gens comme ça. Il me reste combien? 16... Il y aura 4 équipes avec chacune un combattant. Ok, d'accord, raté. Tiens, tapez-vous dessus. Oh, raté. Ouf. Voilà. Il y aura 2 équipes avec chacune 4 combattants. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai oublié d'utiliser mon bouclier en fait. 2 équipes de combattants. Voilà. Déjà, le cheval, pousse-toi. Ah là là, l'intelligence artificielle de ce jeu. Bim!
Bon, j'ai fini le cheval, mais c'est pas grave. Deux équipes avec chacune un combattant. Bon, attends, allez. Reste l'affaire loyale. Oh! Eh ben! Ça, c'était simple. 3980 deniers, renommée augmentée de 20. Pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il y a quoi ici? Voyageur, épéiste, pas grand chose. Il faut que j'achète de la bouffe. Non, ça passe. Alors. Trouver le maître de guilde. Trouvons le maître de guilde. C'est pas toi? Ouais, si, c'est toi. Chaque bande de pierre. Ah oui, c'est vrai, c'est des bandes de pierre. Alors. Bon, 50 contre 3. Poussez-vous, je veux passer. Tout cas, on a fait un sacré peps à notre renommée là. Ah, c'est pratique les tournois. Faut faire vraiment un max de tournois. C'est plutôt pas mal. En plus, la Georges, j'ai gagné. Quoi? Il l'a paré. La Georges, j'ai gagné 4000. Mais t'arrêtes de parer, oui. Voilà. Voilà. Toc, on va tout prendre. Toc. On va s'occuper des bandes d'ennemis, hein. En plus, ça fait XP un petit peu les autres. Et moi aussi. Alors. Oh. Je suis en train de me faire avoir. C'est mieux. J'ai bien pris dans la mouise là. Mon cheval, il a quand même pris cher. Allez, tuez-le! Ah, y a pas une seule flèche qui est foutue de le toucher, hein. Et bah moi non plus d'ailleurs. Non. Il va finir par s'enfuir. Hein. Ah bah non, quand même. Quand même. Voilà, pas mal de trucs à vendre. Là, il y a des pilleurs. Donc, il y en a un petit paquet. Oh. C'est quoi ce foutoir? Comment et je fais quoi là? J'essaie de grimper sur une montagne.
Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi ce drop, quoi? Comment on peut commencer une bataille à ce niveau-là? C'est genre juste pas possible. On va prendre le gourdin, je pense. Oh, par contre, si vous en touchez d'ici, vous êtes des dieux. C'est quoi cette falaise? Il y en a qui ont été tués, hein. Je sais ce que je vais faire. Voilà, je les assomme. Ah, voilà. Aucune perte, des blessés que je peux capturer. Voilà, c'est nickel. Faudrait que je vende tout ça d'ailleurs. Là, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir... vendre ce foutoir. Voilà. Acheter de la nourriture. Et on a presque 10 000 deniers. C'est cool ça. On va pouvoir acheter de la viande séchée, du fromage. Promenons-nous dans les rues. Il faut que j'aille voir le maître de guilde pour lui dire que j'ai tué quelques mecs. Ça envoie Denis. Voilà. Alors, on va pouvoir rentrer. Je pense que je suis à combien? 75. Ouais, 75, c'est pas au top non plus. Je vais essayer de redescendre du côté de Veluca. Donc je vous retrouve dès que je suis revenu du côté de Veluca. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé à Jelkala. Il faut juste que je regarde dans la taverne s'il n'y a pas quelque chose. Non, il n'y a pas de rançonneur. Bon, ça m'embête un peu. On va essayer de d'aller voir le roi. Il faut que je le trouve. Donc du coup on va demander au comte s'il sait pas où il est. Sinon on va se diriger du côté de Jelkala. D'ailleurs, vu que là on a la limite qui a été dépassée, c'est-à-dire que j'ai rajouté 5 membres de plus possible, on a une limite de 58. C'est pas mal. Alors, est-ce que tu sais? Où est le roi? Château d'Aringotte. C'est où le château d'Aringotte? Ah, c'est pas la porte à côté. Bon, je vais essayer de trouver le roi et bah, je vous retrouve dès que je l'ai trouvé. Allez, à tout de suite. Ça y est, je l'ai trouvé, il est là, il est en train d'assiéger. Ah, ça y est. Ouf, vassalité. Allez, c'est parti. Je vous prête serment d'hommage en tant que régent légitime du royaume d'Hérodoque. Je resterai fidèle et dévoué jusqu'à mon dernier souffle, et je serai à vos côtés pour combattre les ennemis si vous avez besoin de mon épée. Pour finir, je ferai respecter vos revendications légales et celles de vos héritiers légitimes. Vassal, lié par serment, offre de protection, il doit être le fief de Pagundour avec toutes ses rentes et revenus. Bah ça y est. Bon, ça fait 20 minutes. Ça y est, je suis
Je suis... Bah voilà, ça y est, j'ai un... Comment dire? Je suis vassal. Ce qui veut dire que... Zut. Non, c'est pas ça. Non plus. Non plus. Où est-ce que je peux voir mes revenus? Alors, mon fief et Pagundour, ouais, c'est d'accord. Budgétaire hebdomadaire. Pagundour, 730, donc ça fait plus de 135, c'est plutôt pas mal. Séduction, aucune. Ok, d'accord. Roi Gravette est à 20. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Roi Gravette? Alors. D'accord, il doit être en train d'assiéger le château, je pense. Il est où le maréchal Bidule là? Que je lui demande qu'est-ce qu'il fait. D'accord. Ok. Donc là, ils assiègent le château. Je vais voir si on peut pas l'assiéger dans le prochain épisode. En tout cas, c'est cool. On est enfin vassal. On va pouvoir commencer à vraiment jouer. Là, ça va être cool. Il va falloir d'ailleurs que j'améliore Pagundour, hein, parce que pour l'instant, ça craint un peu. Il va falloir que je m'entraîne. Il faut que je fasse beaucoup de choses. Mais à partir de maintenant, ça commence à être déjà un poil plus simple. Enfin, plus simple, plus drôle. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo. Et puis voilà. À dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Salut à tous!